I'm now broke, live in a two-bedroom apartment, and have a negative net worth for the first time since I was, I don't know, 25. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère les gars que vous allez bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner, à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Et tu le sais, ici c'est Jonathan Hachi. L'idée de la chaîne, c'est pour te permettre d'être déterminé, passer à l'action, faire remonter le taux de testostérone aussi. Au passage, si jamais on peut aider l'humanité, on va pas se gêner. Donc, il y a deux choses que je te propose. Tu as mon étude de cas où je te montre exactement comment j'ai fait 20 cas en une semaine. C'est gratuit, c'est offert. Arrête de créer à l'arnaque, à tout va là. Jette un coup d'œil déjà. Et ça, c'est si jamais tu me connais. Sinon, tu peux passer tout de suite. Tu sautes ce passage, quoi. C'est Pirate Marketing où je te montre exactement toutes les stratégies pour pouvoir atteindre au minimum les 5 cas par mois. Et j'ai rajouté en plus dans Pirate Marketing un bonus sur comment investir dans l'immobilier, comment investir dans les startups, comment investir en crypto-monnaie. Qu'est-ce que tu veux de plus en fait? Un bonus complémentaire sur l'e-commerce, sur le personal branding. Et en plus de ça, tu auras accès à l'incubateur. Hein? Donc l'incubateur, c'est quoi? Ça veut dire que tu auras accès à du coaching, okay? Sur le marketing, sur ton pourquoi, mindset, etc. Les gars, qu'est-ce que vous voulez que je fasse de plus? Et en plus, tu peux y accéder par ton CPF, via ton CPF si jamais tu le souhaites. Okay? Donc tout ce que tu as à faire, c'est cliquer sur le lien dans la description. Tu mets ton numéro de téléphone, il y a un membre de mon équipe qui va te rappeler. Ok, arrêtez d'avoir peur de prendre un rendez-vous, les gars, parce que vous m'envoyez des DM sur Instagram. Ouais, mais du coup, Pirate Marketing, est-ce qu'il y a si? Les gars, c'est fait pour ça, c'est mis en place pour ça, les gars. À un moment donné, les gars, voilà. Hein. Donc, tu prends rendez-vous, c'est sans engagement, personne ne va te manger. Tu pourras poser toutes tes questions, tu auras tous tes renseignements. Si ça ne te convient pas, bah, tu dis ok, bah, super, bah, les gars, bah, non, ça ne me convient pas. Et voilà, et si jamais ça te convient, tu pourras utiliser ton CPF pour pouvoir y accéder. On va t'accompagner de A à Z à monter ton dossier et à prendre les accès à Pirate Marketing. Et après, ce sera long, ce sera dur. Arrête de croire que la vie, elle est magique. Non, ça va prendre du temps, mais par contre, est-ce que ça en vaut le coup? Oui, ça en vaut le coup. J'ai envie de te dire, moi, je te le dis. J'étais comme toi, salarié, métro, boulot, dodo, je voulais plus dans ma vie. Voilà, ben j'ai fait le nécessaire, on est parti au charbon, mais ça fait plus de 3 ans qu'on voyage. Qu'est-ce que tu veux de plus? J'ai rien de plus que toi. Ok, j'ai grandi avec vous dans 91, j'ai redoublé mon BEP électrotechnique, j'ai grandi dans le quartier des Pyramides, j'ai travaillé toute ma life, j'étais infirmier, j'étais électricien chez les pompiers. À un moment donné, j'ai bien vu que être son propre boss, c'était quand même mieux. J'ai entendu parler du business, j'avais 33 ans. Arrêtez de chialer, les gars. Juste passez à l'action. Et passons directement au sujet de la vidéo. Comme tu le sais, sur cette chaîne, on aime parler aussi des hommes, des problèmes des hommes, parce que tout le monde s'en bat les reins de vous, les gars. Vous êtes au courant. La société, les meufs, tout le monde s'en bat les reins. Alors, ne commence pas à rager, etc. Pas toutes les meufs, ok. Mais la société s'en bat les reins de vous. Ça, c'est sûr et certain. T'as bien compris que nous, les problèmes, tout le monde s'en fiche. Hein, c'est le féminisme, c'est les femmes, c'est le patriarcal. C'est nous qui oppressons les femmes. Et évidemment que les hommes ne servent à rien. Hein, voilà, c'est pareil. Hein. Par contre, va dire ça sur le Titanic. Sur le Titanic, il y avait plus d'égalité, là. Il n'y avait pas de féministes. Hein. Je peux te dire qu'en Ukraine, il n'y a pas de féministes. Hein. Là, les féministes, elles ne se plaignent pas, là. Là, les hommes, ils sont interdits. Ils ne peuvent pas sortir du pays. Ils doivent rester. Ils doivent se battre. Ils doivent mourir pour protéger leurs femmes et leurs enfants et le pays. Là, il n'y a pas de féministes qui ouvrent sa bouche. Hein. Les femmes, elles peuvent sortir et rentrer quand même comme elles veulent en Ukraine. Il n'y a pas de problème. Là, il n'y a personne qui raconte sa life. Là, il n'y a pas de problème. Là, il n'y a pas de « Ouais, c'est n'importe quoi. Comment ça se fait que les pronoms personnels hein ?» Le patriarcal, on est oppressé. Si les hommes oppressaient tellement les femmes, en Ukraine, ils auraient envoyé les femmes au combat. Elles disaient « Allez-y, filles, on vous oppresse. » Voilà, là on aurait vu. Ah, mais bon. Ouais, mais ça m'énerve. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de problème qu'on ait les mêmes droits, mais à un moment donné, arrêtez de raconter n'importe quoi. Notre vie est basée sur vous protéger. Oh, c'est incroyable. S'il y a quelqu'un qui doit mourir là demain, c'est nous, pour protéger les enfants et les femmes. Mais on dirait qu'il n'y a pas de respect, on se bat les reins. Pourquoi? On comprend pas. C'est juste, c'est seulement dans les pays où tout est bien, où il n'y a pas de guerre, il n'y a rien. Là, elles sont là. C'est vrai, c'est bien. C'est vrai que je peux travailler avec mon ordinateur, mais en fait, j'ai pas besoin des hommes, en fait. Mais il y a une guerre qui éclate, boum. Ah oui, je me rappelle. Oui, un sandwich. Bien sûr, je vais faire du sandwich, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, j'ai plus mal à la tête. C'est bon, ça va. Ma migraine, envolée. Voilà, ça m'énerve.
Voilà. Donc tout ça pour vous dire, les gars sont balérins. Donc un exemple type avec un gars, bon bah voilà, on lui a posé la question, qu'est-ce que ça t'a coûté ton divorce? Je te laisse regarder la vidéo. So how much did my divorce cost me? Well, this is a fantastic question. There's direct and there's indirect costs. Direct costs, I lost $106,000 out of my 401k retirement plan I spent 20 years contributing to. I also lost half the equity in the home, stocks, bonds, mutual funds, cash, and savings that I also spent 20 years contributing to. I also lost half of all the non-liquid assets like furniture, household goods, electronics, cars. Keep in mind, I paid for all of these. And this is in addition to financially supporting her and her slash our daughter for 17 years, which is many hundreds of thousands of dollars. I'm now broke, live in a two-bedroom apartment, and have a negative net worth for the first time since I was, I don't know, 25. Indirect costs, my job, my sobriety, my self-worth, my masculinity, my hope for the future, my ability to trust women again, my belief in God, my pride, my motivation, my physical health. I don't know, let's just say everything. Donc encore un exemple d'une institution qui à la base déchirée, qui est le mariage. Dès que le gouvernement s'est mis dedans, s'est immiscé, ça a foutu le bordel. Hein, restant poli. Excuse-moi, mamie, si tu regardes la vidéo. Hein, mais là, ça, quand même, c'est un petit peu énervant. Hein. Donc du coup, à la base, quand même un truc religieux, hein, que ça, bon, ça, que tu sois d'accord ou pas, c'est religieux de base, hein, le mariage. Hein. Donc tout se passait bien, les gars, ils sont venus, ils se sont introduits, ils ont foutu le bordel. Donc voilà. Donc le gars, il a tout perdu. Il a tout perdu. C'est comme ça qu'il y a des gars, ils finissent SDF, ils se suicident, ils rentrent en dépression, des problèmes de santé mentale, bah, après un divorce. Mais ça, personne ne t'en parle, ça. On s'en bat les reins, ça. Pendant que les femmes, elles célèbrent leur divorce, j'ai vu des vidéos just divorced, genre, elles font des fêtes. Elles font des fêtes, bah tu m'étonnes. Là, tu sais que le plus gros transfert de richesse se fait après les divorces. Les pensions alimentaires sont payées par les hommes. Enfin, le plus gros transfert de richesse, genre les femmes les plus riches au monde, a été dû à un transfert de richesse après un divorce. Donc, les gars, tu m'étonnes. Hey, c'est le jackpot, tu vois. J'avais entendu une histoire d'un gars qui racontait qu'il avait entendu une meuf qui se plaignait à sa copine. Ouais, ça se passe pas bien dans mon mariage. De toute façon, s'il fait son malin, je vais tout lui prendre. Je vais lui prendre son argent, sa maison, ses enfants. Il verra plus ses enfants, etc. Voilà. Voilà ce qui se passe. Donc le gars, il a perdu foi en tout. Enfin, le gars, il a tout perdu. Il croit plus en rien du tout. Bon, écoute, force à lui, hein. Force à lui, hein, j'espère qu'il va pouvoir récupérer. Et c'est là que tu vois que certaines femmes, on dit que les femmes sont empathiques, et ces femmes ne sont pas empathiques, elles sont sympathiques. Elles ne se mettent pas à la place de l'homme. Elles ne se rendent pas compte de qu'est-ce que c'est d'être à la place d'un homme. Elles ne se rendent pas compte. D'ailleurs, c'est pour ça que j'en ai déjà parlé, une meuf qui s'appelle Nicole, je ne sais plus comment elle s'appelle, une féministe qui s'était transformée en homme pendant 2 ans, et elle a failli se suicider à la fin de l'expérience. Okay, parce qu'elle a vu qu'est-ce que c'est d'être vraiment un homme. Okay, si jamais tu enlèves la moitié de l'argent d'un homme, et en plus de ça, tu dois payer des pensions alimentaires, mais c'est comme si tu enlèves la moitié de sa puissance. Tu es respecté par rapport à ce que tu as accompli, par rapport à l'argent que tu as fait. Si jamais c'est pas la beauté, nous, c'est de l'argent. Si tu enlèves tout, c'est normal, les gars, ils pètent les plombs. C'est comme si tu enlèves la moitié. C'est comme si une meuf, l'équivalent peut-être pour une meuf, ça serait de dire, c'est comme si je t'enlève la moitié de ta beauté. Tu vois, du jour comme ça, oui. Ok, hein, donc c'est pas la meilleure analogie, mais c'est la plus proche, je trouve. Et après, les meufs, elles vont dire, ouais, les gars, ils ont peur de s'engager. Les gars, ils ont peur de se marier. 50% de divorces, 80% initiés par les femmes. Et il faut voir après le nombre de mariages heureux. Je ne sais pas si c'est français ce que je viens de dire, mais en tout cas, tu as compris. En parlant des hommes, parce que de ce que j'ai compris, les gars, c'est leur propre femme, mais ils n'ont pas de sexe avec leur propre femme. Ça, c'est incroyable, ça. Jusqu'à maintenant, j'ai du mal à y croire. Mais bon, les stats parlent par elles-mêmes. Hein. Pas moi, hein, je ne peux pas décider. Même moi, ça me paraît fou. Voilà. Ben, apparemment, c'est comme ça. Donc, ça fait beaucoup de risques. Pour quelle récompense? On ne sait pas vraiment. Parce qu'à la limite, le gars, il se dit, bon, moi, j'ai une femme. Au moins, je vais avoir du sexe régulièrement. Ben, même ça, il n'a pas. Donc, finalement, quel est son intérêt de se marier? Tout l'intérêt, aujourd'hui, est pour la femme. Alors, je ne suis pas contre le mariage. Au contraire, je trouve que le mariage, ça déchire pour une famille, avoir des enfants. Mais par contre, les gars, choisissez bien. Ok, choisissez bien et surtout, faites un contrat de mariage. Je veux dire, en France, un contrat de mariage, ça reste quand même assez solide. Et faites pas les fous à dès que vous êtes marié, à mettre les choses sur le nom de votre femme, etc.
Si vous faites un contrat de mariage, c'est pas pour faire comme si vous étiez en communauté. Hein. Mais par contre, le mariage reste toujours un truc super puissant. Voilà, si jamais le gouvernement s'était pas immiscé, on n'aurait pas des cas comme ça. Ok, faut protéger la femme, on est d'accord avec ça, mais pas au détriment de l'homme. Enfin, ça n'a aucun sens. Si plus on protège la femme, là, c'est là où on détruit l'homme. Donc voilà mon avis par rapport à ça. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. Reste respectueux parce que je sais que tout le monde est très émotionnel lorsqu'on parle de relations de femmes. Reste respectueux, sinon je bouge ton commentaire. Mets un petit j'aime si t'as aimé cette vidéo, un j'aime pas. Si tu veux aller plus loin avec moi, t'as tout en description, ok? Parce que évidemment, si t'as pas d'argent, tu perdras rien. Hein, donc à un moment donné, il faut que tu fasses de l'oseille. Donc t'as tout en description si jamais tu veux aller plus loin avec moi par rapport à ça. Et les gars, on lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Je suis allé ton camp.